et merci beaucoup de cette invitation, de cette occasion donc, de vous soumettre quelques idées, hypothèses donc, du point de vue de la sociologie, du point de vue de la sociologue que je suis. Vous avez vu combien, depuis ce matin, on parle beaucoup hein, au sujet du hikikomori, du fait que c'est des questions de l'individu, de la société, on ne sait pas trop quand est-ce que ça commence, le social, quand est-ce que c'est social, quand est-ce que c'est individuel. Donc loin de moi l'idée de résoudre ces grandes questions, mais je vais proposer quelques pistes. Et en particulier, je voudrais commencer par exposer l'idée, qu'est-ce que ça veut dire au fond que de dire que dans le phénomène hikikomori, il y a du social. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais je vais revenir aujourd'hui sur deux choses en particulier. La première, c'est qu'il y a quelque chose de social d'abord dans la façon de considérer ou non le problème. On a parlé ce matin de visibilité, invisibilité, on y reviendra. On verra en particulier qu'à mon sens, même si cette journée peut-être inaugure une autre étape, jusque-là en tout cas en France, à la fois c'est une question qu'on voit, qu'on ne voit pas, et à la fois qu'on voit. Mais on va essayer de décliner ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui suscite l'inquiétude, qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui au contraire n'est pas vu, n'est pas perçu en propre. Deuxièmement, il y a quelque chose de social dans le phénomène hikikomori, en cela que les caractéristiques peut-être du retrait social des jeunes, telles qu'on les découvre en écoutant les familles, ce qu'elles nous sont à nous dire, et les jeunes quand ils peuvent en parler peut-être rétrospectivement, c'est qu'on est frappé par le fait que ces caractéristiques, elles sont très clairement branchées en négatif sur les grands thèmes de notre société actuelle. C'est une grammaire qui parle beaucoup de notre société actuelle, et c'est peut-être ça que les uns et les autres vous dites quand vous dites qu'il y a du social. Je reviendrai sur ces grands thèmes que sont l'autonomie, l'action, l'avenir, la réflexivité. Donc cette façon si singulière de s'isoler, de souffrir peut-être, elle est pourtant en dialogue terme à terme avec des valeurs très collectives de notre société, avec des normes, mais aussi des tensions, que ces valeurs et ces normes induisent. Donc en fait, l'idée, c'est de développer un peu deux idées. Il y a à la fois des raisons objectives pour lesquelles les jeunes aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui est peut-être une jeunesse spécifique et peut-être plus vulnérable. Donc des raisons objectives d'un certain désarroi qui prend, dans lequel prend racine la conduite de retrait. Et à la fois, le retrait est aussi une modalité d'expression des problèmes dans un type de société centré sur l'autonomie. Alors, le retrait social des jeunes, d'abord, c'est une question très articulée à la question de la jeunesse en général, la vulnérabilité de la jeunesse. Au moment où a émergé ce problème au Japon dans les années 90, il faut savoir que ces années 90, c'est aussi des années où on remarque qu'ont émergé toute une série de questionnements plus vastes, et où aussi ont émergé de nouveaux mots, des vocables nouveaux, pour tenter de comprendre certains comportements de la jeunesse. Le point commun entre ces différents mots qui émergent dans ces années-là, c'est qu'on se préoccupe pour une jeunesse qui peine à trouver sa place et qui se trouve dans des positions ou qui adopte des conduites différentes de celles des générations précédentes. Donc, on trouve d'abord toutes les variations que vous connaissez bien, nationales, des termes qui visent à désigner cette fameuse nouvelle génération, cette jeunesse, qui d'ailleurs parfois on suspecte un peu d'être un peu trop insouciante, un peu trop paresseuse, etc. C'est-à-dire cette jeunesse qui reste chez ses parents très longtemps et qui n'a pas l'air de vouloir en partir et qui n'a pas l'air de se mettre au travail, de se mettre au régime de l'effort. Alors en France, on a le fameux Tanguy, hein, les fameux Tanguy, mais c'est intéressant de constater qu'il y a des mots dans les mêmes années qui vont émerger un peu partout. En Italie, on parle des bamboccioni, voilà, de ceux qui restent avec leur maman très longtemps. Aux États-Unis, on avait les Twixters, voilà, des termes un peu dans différents pays qui indiquent un peu la même chose. Et puis, dans ces mêmes années, 90-2000, ont aussi émergé des nouvelles catégories pour parler cette fois de quelque chose de plus spécifique dont Marie-Jeanne a parlé ce matin, qui sont, disons, les jeunes précarisés, fragilisés, en particulier en matière d'entrée dans le marché du travail. Alors, on a là des catégories qui sont celles de Fritters, par exemple, qui est une catégorie qui a beaucoup de succès au Japon dans ces années-là, qui vient indiquer en fait la jeunesse qui vit de petits emplois très précaires ou irréguliers, etc. Et puis on a là le vocable NEET, dont Marie-Jeanne a parlé ce matin déjà, donc je ne reviens pas sur sa définition, mais qui sont ces ni-ni-ni, hein, ni en emploi, ni en formation, ni en stage. Mais ce qui est intéressant, c'est que désormais, cette catégorie de NEET, elle est une catégorie devenue officielle dans les indicateurs de description des sociétés pour la Commission européenne, pour l'OCDE, etc.
Et en même temps, ce qui me semble frappant, c'est que c'est une catégorie qui est utile, mais qui est en même temps dérangeante, dans le sens où elle est extrêmement hétérogène. C'est une catégorie qui dit, en fait, les jeunes qui ne sont nulle part, qui indique bien quelque chose du destin de la jeunesse, mais en même temps, à l'intérieur de cette catégorie, on peut retrouver aussi bien des jeunes qui ne sont pas en emploi parce qu'ils ne trouvent pas, alors qu'ils recherchent activement, donc ils souhaiteraient être insérés socialement et qu'ils ne le sont pas, mais à l'intérieur de cette catégorie, on retrouve aussi ceux qui ne cherchent pas. Et ça, ça peut recouper des réalités très diverses. Ça peut être parce qu'ils souffrent d'un handicap, d'une maladie, parce qu'ils ont des responsabilités familiales, parce qu'ils sont mobilisés ailleurs, par leur hobby, leur passion, les voyages, ou parce qu'ils sont en retrait social. Donc on est bien d'accord pour dire que sans doute il y a un noyau à l'intérieur de cette catégorie qui correspond au hikikomori, mais en soi, la description et la statistique actuelle ne permet pas d'identifier et de décrire. On a des catégories qui disent des choses très compliquées à attraper. Ce sont des catégories qui sont nées avant tout pour décrire un problème de précarité. Donc ce sont des catégories socio-économiques. Mais vous voyez qu'ils décèlent, Fritters comme Nitt, une certaine ambiguïté, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est une précarité subie ou un choix alternatif de vie. Les deux modalités sont contenues dans ces catégories. Alors, hikikomori, je ne reviens pas sur la définition dont on a largement parlé depuis les années 90 au Japon, et les dernières définitions donc japonaises qui estiment à 541 000 le nombre d'hikikomori au Japon. Dans le dernier rapport du ministère de 2016, la catégorie dont il s'agit, c'est 15-39 ans. Je signale au passage que c'est toujours amusant pour une sociologue, parce que qu'est-ce que c'est que la jeunesse ? Quand on a commencé à faire des statistiques, c'était 15-24, maintenant on est à 15-39. Hein. On ne sait pas très bien où ça va s'arrêter, la jeunesse. Donc les 15-39 ans, 541 000, c'est-à-dire à peu près presque 1,6% de la population, de cette population-là, des 15-39 ans. Donc, juste pour avoir un ordre d'idée, une échelle, si on devait transposer ce chiffre à la population française, ça donnerait à peu près 300 000 jeunes entre 15 et 39 ans. Bref, le retrait social est une question sociale d'abord parce qu'on voit que c'est une question qui appartient à un ensemble plus vaste de problèmes structurels du marché du travail, de l'insécurité de la jeunesse. Mais on voit aussi que c'est une question qui est perçue en fait à travers les filtres d'une société donnée. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est à quel point c'est une question qui a été d'abord une question au Japon, qui est très visible au Japon. Le professeur Suzuki nous a montré ce qu'il estimait être finalement insuffisant, mais tout de même, quand il y a 30 ou 40 centres d'accueil pour les hikikomori, vu de chez nous, c'est déjà beaucoup, même si c'est jamais suffisant, etc. Donc au Japon, c'est certain, ce problème existe, il est identifié, et il donne lieu à une politique publique qui donne des moyens, qui donne des directions, etc. Chez nous, en France, ce n'est pas du tout le cas. On voit bien que pour que cette question existe, il faut qu'il y ait une préoccupation pour la jeunesse, mais plus encore, il faut qu'on identifie, que soit identifiée en propre la question du retrait. Ce qui n'est pas le cas, je trouve, en France. C'est-à-dire qu'on a beau avoir, par exemple, un maillage extraordinaire et unique quand on compare à d'autres pays, par exemple, du secteur pédopsychiatrique, de la prise en charge, etc., ça ne veut pas dire que la question stricte du retrait fait partie de cette entrée. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Voilà. En France, on l'a vu aussi ce matin, la question elle est très centrée sur la question scolaire. Donc ce qu'on a comme catégorie pour penser et pour agir, c'est beaucoup des questions autour de la phobie scolaire, du décrochage scolaire. Et c'est ce qui fait, à mon avis, que du coup, le hikikomori, c'est un peu l'essence du problème. Il est invisible à double titre, quoi. C'est-à-dire que les hikikomori, ils sont invisibles par définition, puisqu'ils cherchent justement à échapper au regard. Ils échappent au radar traditionnel, etc. Et en même temps, ils sont invisibles dans la mesure où les catégories d'action, de pensée, les outils des politiques publiques et de l'intervention ne permettent pas de les repérer et d'agir sur ces problèmes, sur ces problématiques-là à l'heure actuelle. Dans la deuxième partie de mon intervention, je voudrais examiner une autre dimension du phénomène comme phénomène social, du phénomène hikikomori comme phénomène social, en interrogeant le lien entre la conduite hikikomori et les valeurs et les normes de notre société contemporaine. J'ai beaucoup entendu ce matin évoquer la société, en disant « la société fait ceci, nous fait cela », mais je voudrais juste, pas une petite pirouette de sociologue, mais juste rappeler que la société, c'est nous. La société, c'est pas quelque chose qui fait,
Hein, c'est-à-dire que c'est nous, nous sommes la société, nous fabriquons un certain nombre de valeurs et de normes auxquelles nous participons et nous adhérons finalement, même si nous pouvons aussi y opposer certains discours critiques. L'idée, c'est que, en nous intéressant à certains points communs et récurrents de l'expérience de retrait pour les jeunes et leurs familles, il me semble qu'on peut souligner à quel point les hikikomori mettent en exergue les nœuds, les tensions au cœur de nos systèmes de valeurs et d'actions. Donc, ce n'est pas simplement des difficultés, on le sait bien, scolaires, des difficultés de ressources, des inégalités familiales, M. Ponceau a très bien dit, il n'y a pas un paysage sociologique des familles qui dirait très clairement que ce sont des familles en difficulté sur tel ou tel point, sociologiquement parlant. C'est une vulnérabilité qui s'origine également dans les contradictions et les paradoxes de notre système normatif. Pourquoi est-ce que un hikikomori, la conduite d'un jeune qui est en retrait, pourquoi ça nous inquiète? D'abord, on a vu tout à l'heure que parfois ça peut ne pas nous inquiéter tout de suite, on peut mettre beaucoup de temps à trouver ça inquiétant, mais pourquoi ça nous inquiète éventuellement? Ce qui nous inquiète au premier chef, c'est que on pense qu'il souffre, malgré ce qu'il en dit lui-même, et aussi parce que le jeune en question, il ne fait rien de ce qu'on attendrait qu'il fasse à son âge. C'est aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure, en particulier un jeune homme. Donc cette conduite, elle nous apparaît anormale, hors norme, à plusieurs titres. D'abord, évidemment, le jeune, il est enfermé, alors qu'un jeune, c'est bien connu, il devrait être dehors. C'est l'âge où on est mobilisé à l'extérieur, l'âge des découvertes, l'âge des premières expériences. C'est l'âge, il est isolé, à l'âge des bandes de copains, des premiers amours, des pères qui comptent tant et à partir desquels on se fabrique des identités multiples. Et puis aussi, il est démotivé. Il est démotivé alors que l'avenir est devant lui et qu'il est à l'âge des projets, des directions à prendre pour construire son avenir, etc. Le jeune en retrait, il est aussi silencieux la plupart du temps. On est revenu sur ces questions ce matin. Il est silencieux, il ne parle pas de ce qui lui arrive, il n'a pas grand-chose à en dire, alors qu'on lui propose toutes les écoutes possibles. Bref, sur un certain nombre de points, il semble l'exact négatif de l'image attendue de la jeunesse, et donc l'envers du modèle, de notre modèle de société. Dans ce sens-là, c'est une question sociale. Alors c'est un consensus partagé par de nombreux sociologues de notre époque que de dire que la valeur fondamentale sur laquelle reposent nos aspirations, nos attentes, nos actions, c'est l'autonomie. Dans les sociétés des individus, que nous sommes aussi bien au Japon qu'en France qu'en Italie, il ne s'agit plus de se confronter ou de se conformer à des contraintes, à des disciplines collectives, par exemple, mais tout à chacun, on a à construire sa vie selon ses propres choix, selon ses propres aspirations, bref, de devenir soi-même. On a évoqué la pub qui nous dit « just do it », mais qui nous dit assez bien ce qu'on veut entendre. C'est-à-dire que effectivement, c'est à chacun de construire ses modèles, ses choix sur les plans professionnels comme sur les plans intimes. Bref, comme le disent certains sociologues, c'est à l'individu d'être l'auteur de sa vie. Ce régime normatif de l'autonomie, évidemment, il a des qualités, c'est une forme d'émancipation par rapport à des contraintes collectives très fortes, mais il a évidemment une faiblesse, c'est qu'il n'est pas sans tension et sans caractère anxiogène, ce caractère d'avoir à se construire soi-même. Comme le dit Alain Ehrenberg, par exemple, nous sommes tous imprégnés des valeurs de l'autonomie. Ce système de valeurs, il a plusieurs conséquences. D'abord, nous sommes une société du projet, de la motivation. On commence tous à écrire des lettres. Les plus jeunes écrivent des lettres de plus en plus jeunes, des lettres de motivation à 13 ans, je crois, maintenant, on commence à les écrire. Et on en écrit toute notre vie. Quand ce n'est pas la sémantique de la motivation, c'est celle du projet qui guide nos vies. Nos élèves, nos étudiants doivent avoir des projets personnalisés. Nous avons des projets de formation, des projets de réinsertion. Même quand on arrive en maison de retraite, il faut qu'on élabore un projet de vie. Et je ne parle pas de l'environnement professionnel où tout se conçoit, se finance et s'organise en mode projet. Cette société du projet et de la motivation repose sur un ressort clair, c'est à l'individu d'être sans arrêt activé. C'est à lui qu'il revient d'être motivé, d'être mu par une dynamique interne.
Là encore, plusieurs sociologues ont souligné, Ehrenberg par exemple, le choix, l'initiative individuelle, la capacité de l'individu à être l'agent de son propre changement sont des valeurs suprêmes. Un autre sociologue, Marcel Otero, parle d'une société de mobilisation contrainte généralisée des individus. C'est vrai aussi, par exemple, pour les plus fragiles. On estime, pour les personnes qui ont un handicap, on leur reconnaît un certain nombre de droits, mais en échange, il faut qu'ils manifestent cette volonté permanente d'être activés, c'est-à-dire d'avoir un projet, qu'ils souhaitent être autonomes et qu'ils aient une préférence pour l'inclusion sociale. Ce sont des présupposés forts, y compris de nos modes d'intervention et d'action auprès des plus vulnérables. Si nous y regardons plus près, nous voyons que c'est une dimension très présente, évidemment, dans nos attentes vis-à-vis des jeunes en particulier. Justement parce qu'ils sont en construction, sur le chemin du devenir adulte, nous attendons d'eux qu'ils manifestent leur motivation, qu'ils élaborent leur projet d'autonomie et de participation sociale. Quand on a ça en tête, la conduite des jeunes en retrait prend un relief tout particulier, puisque ce sont, encore une fois, l'exact inverse de ces normes et de ces valeurs. Ce sont des jeunes qui ne sont plus du tout activés, pour parler comme ça, qui ne sont plus du tout tournés vers l'avenir, ce qui est d'ailleurs justement très difficile à vivre pour ceux qui leur sont proches et qui les approchent, c'est qu'ils n'ont pas de motivation, ils n'ont pas de projet, ils ne sont pas dirigés vers la construction de leur avenir, de leur autonomie et de leur inclusion. Et c'est très déstabilisant puisque chacun devrait pouvoir être autonome et participer à la vie sociale. En fait, d'une certaine manière, c'est presque plus facile d'intervenir sur des échecs que sur une absence totale de projet, de motivation. En même temps, à côté de l'autonomie, il y a un grand leitmotiv de notre système culturel, de notre société d'aujourd'hui, dont beaucoup de sociologues parlent, c'est l'incertitude. Bon, c'est une expression bien connue des sociologues, la société de l'incertitude, qui vient souligner que le monde dans lequel nous sommes est un monde des possibles, un monde ouvert, mais aussi caractérisé par un certain nombre de menaces, hein, ce monde incertain. Ce qui explique, de l'avis d'un certain nombre de sociologues, une forme de repli sur le présent. Nous serions une société qui est davantage repliée sur le présent, ce qui est évidemment d'ailleurs très particulièrement documenté dans les études sur la jeunesse. Pas strictement hikikomori, mais sur la jeunesse en général. Le rapport de la jeunesse au temps est un rapport que certains sociologues ont qualifié d'un présent généralisé. En raison de ces incertitudes, eh bien, on se replie sur ce présent généralisé, on s'engage moins dans des choses de longue durée, etc., etc. Évidemment, surtout dans un contexte où cette incertitude est façonnée par un plus grand pessimisme ou scepticisme, comme c'est le cas à certains égards aujourd'hui. Et encore plus, quand ce qu'on appelle la jeunesse, en fait, est quelque chose qui n'arrête pas de s'allonger, et donc on ne sait jamais quand ça se termine, au fond, et que les transitions entre l'enfance ou l'adolescence et l'âge adulte sont des transitions de plus en plus difficiles à catégoriser fermement. Finalement, qu'est-ce que c'est à quel moment est-ce qu'on dit on est adulte? À quel moment est-ce qu'on peut observer que ce passage à l'âge adulte s'est opéré et que l'individu en question est adulte? Là encore, les sociologues le signent beaucoup. Tout ce qui était les marqueurs traditionnels de l'entrée dans la vie d'adulte, par exemple, le fait d'aller vivre de sortir de l'habitation de ses parents, de vivre seul, le fait de vivre en couple, le fait d'avoir un premier boulot, etc. C'était des marqueurs qui étaient à peu près stables, les générations précédentes, et surtout qui étaient concordants. C'était à peu près dans les mêmes années que tout ça se passait. Et donc on passait un nouveau cap. Aujourd'hui, on sait bien combien pour les jeunes, non seulement ce sont des marqueurs qui peuvent se faire à des moments très différents de la vie, mais surtout qui sont excessivement réversibles. C'est pas parce qu'on a eu un premier boulot qu'on aura du boulot, c'est pas parce qu'on a une histoire d'amour que ça stable, etc., etc. Ce que certains sociologues ont appelé la génération yo-yo, c'est-à-dire cette génération qui part mais qui revient, qui a du travail mais qui n'en a plus, etc., etc. Bref, dans la conduite de retrait, l'espace-temps de la chambre, l'inversion des rythmes jour-nuit, la désynchronisation avec les temps familiaux et les temps sociaux, tout ça incarne parfaitement et de façon radicale, extrême, ce présent généralisé qui annihile toute projection vers l'avenir. D'ailleurs, on peut faire l'hypothèse peut-être que pour les jeunes de cette génération, cette suspension du temps face à un futur qui est menaçant et qui en plus n'est jamais construit définitivement est d'autant plus accentuée pour cette génération-là que de là où l'on vient, l'enfance,
L'enfance est particulièrement, de nos jours, le temps et l'espace de la protection, de l'affection, du soin. Si on va vers l'inconnu, un inconnu plutôt sombre, on vient en revanche d'une enfance particulièrement choyée, cadrée, sous le signe de la plénitude, des activités, des attentions, des sollicitations, des rétributions. D'ailleurs, c'est ce que M. Ponceau disait et que les familles ont bien repéré et nous ont bien indiqué, ce sont des familles justement très aimantes, ce sont des familles très bienveillantes, ce que le sociologue Roussel appelait donc ces familles affectives et qui constituent en même temps le modèle de famille aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça le modèle de valeur et de normes de la famille, c'est le lieu du lien affectif. Ce qui explique donc que la famille soit plus volontiers un refuge pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent plus avancer. Quelqu'un posait la question, il y a moins de jeunes en errance, ils sont plus en retrait, peut-être c'est une des articulations qu'on peut proposer, c'est-à-dire qu'il y a aussi plus de familles aimantes, c'est-à-dire de familles qui gardent, protègent, qui aiment, et plutôt que de familles qui poussent vers l'extérieur. Dans un tel contexte, il n'est pas si étonnant qu'ils s'installent dans leur retrait, dans un espace-temps qui prolonge cette dynamique protectrice de l'enfance, du familier, du connu. Pour certains, d'ailleurs, cet espace-temps devient un peu un temple de la préservation de l'enfance, dont ils ne supportent plus aucune intrusion, aucune variation. C'est ce qu'on indiquait tout à l'heure, hein, avec les termes de terrorisme, de tyrannie, ce que nous racontent aussi bien les familles. Mais deux remarques à ce sujet. Il y a à la fois le fait que, pour beaucoup de ces jeunes, il est très compliqué, par exemple, d'envisager tout changement dans ce rituel, dans cette organisation du monde. Et par exemple, toute sortie, nombreuses familles nous l'ont dit, sortir, c'est possible à condition que ce soit préparé de façon extrêmement longtemps à l'avance, etc., pour pouvoir aller chez le coiffeur, etc. Donc ça indique cette dimension-là. Et puis effectivement, cette logique un petit peu tyrannique que nous rapportent les familles, le fait que dans le retrait s'installe fréquemment ce mode de relation au cercle familial fait sur le registre des exigences, qui ne tenèrent plus aucun écart, qui imposent des règles extrêmement contraignantes à l'ensemble de la maisonnée. Quelqu'un me disait, parlait de son fils qui ne voulait plus manger de viande, mais il fallait que l'intégralité du foyer ne mange plus de viande, ou qu'un autre qui exigeait que son linge soit lavé à la cendre de cheminée uniquement, etc., etc. Donc tout au service de la préservation figée et en même temps sans cesse menacée de ce cocon. Une autre dimension Une autre dimension de l'autonomie, de cette société d'autonomie, c'est l'idée que il faut passer par un certain nombre d'étapes, d'épreuves qui constituent des jalons sur le chemin de l'autonomie. La plupart de ces épreuves, de ces caps, sont des caps attendus par les individus eux-mêmes, les premiers pas, les premières expériences sexuelles, le bac, le que sais-je, etc. Constituent donc des sortes de tournants obligés qui sont attendus et donc souhaités par les individus. Pour les jeunes dont nous parlons aujourd'hui, ces tournants, ces épreuves ne sont plus investis. Ils le sont encore par leurs proches, mais plus par eux-mêmes. Et ce que je trouve intéressant, c'est surtout qu'il y a un sociologue qui s'appelle Giddens qui distingue ce qu'il appelle les routines et les moments fatidiques. Donc ces moments fatidiques, c'est ce que je viens de dire, ces moments clés dans les étapes de vie. Puis les routines, c'est ce qu'on vit sans y penser. Et finalement, les jeunes en retrait, le plus souvent, c'est comme s'ils vivaient leur quotidien comme des moments fatidiques. C'est-à-dire que tout ce qui est routine pour nous est fatidique pour eux et absolument déterminant, impossible à faire, etc., etc. Donc des actes anodins, routiniers, deviennent impossibles. À l'inverse, je n'ai pas le temps de développer, mais à l'inverse, du coup, l'extraordinaire, la sortie de l'ordinaire peut devenir plus facile pour ces jeunes-là que la tenue de la routine et du quotidien. Mon dernier point, c'est l'expression de soi et la réflexivité, c'est-à-dire que j'étais intéressée par ce qu'ils disaient ce matin sur ce plan-là. Nombreux, encore une fois, les sociologues estiment que ce qui spécifie notre société de l'autonomie, c'est un certain rapport à la réflexivité. Puisque rien n'est imposé par avance, puisque là, c'est à l'individu de faire ses choix, est-ce que je me marie, est-ce que je me pacse, est-ce que je reste en union libre, etc., il n'est pas étonnant que ça force d'une certaine manière à chacun une forme de réflexivité. Chacun doit faire, mais en même temps, construire le sens de ce qu'il fait. Je fais ce choix, mais j'ai un discours sur pourquoi je fais ce choix. Ça entre en résonance avec d'autres travaux qui insistent sur le fait que l'expression de soi est au cœur
des attentes, des dispositifs, des relations sociales. On nous demande là aussi, dans nos relations quotidiennes, au travail, de multiples formes de cela, par exemple les bilans de compétences, les entretiens annuels, le fait de devoir faire un point sur sa trajectoire, etc. Ou encore ce que Richard Rechman appelait le dévoilement obligatoire de l'intimité, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'espaces sociaux dans lesquels il nous incombe de parler de nous, hein, d'exposer cette forme de réflexivité. Bref, chacun procède à des commentaires continuels sur son activité, sur soi-même. Sauf les hikikomori. Les hikikomori, eux, on l'a vu, ils ne parlent peu, enfin pas ou très peu, et ils ont encore moins un discours sur eux-mêmes, sur soi. On a parlé de Bartleby tout à l'heure, effectivement, notre équipe de recherche, il y a quelques années, avait proposé d'utiliser cette métaphore du syndrome de Bartleby, hein, de celui qui dit « je ne préférerais ne pas », qui est « je ne prends pas position et je n'accompagne pas cette position d'un commentaire, d'un discours sur ce qui se passe ». Bref, je conclue, puisque je crois que j'ai dépassé le temps. Les hikikomori sont à contre-courant, certes, car d'une certaine manière, ils inversent, ils décalent ou parfois ils accentuent à l'extrême des mouvements profonds de notre vie sociale et de ses fondements en termes de valeurs à l'âge de l'autonomie. Toute la difficulté, évidemment, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est de penser à partir de là, qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux, comment on doit envisager la sortie du retrait, comment eux-mêmes se positionnent dans un processus éventuel de sortie. Et je trouve que ça interroge les fondements même, peut-être implicites, de ce qu'on appelle une vie bonne, ou une vie qui vaut la peine d'être vécue, et est-ce que cette vie bonne peut être conçue autrement que sur les bases de l'activation, de l'expression de soi et de l'inclusion. Merci. Merci beaucoup.